À l'occasion de la Fête internationale des travailleurs, plusieurs centaines de militants syndicaux marocains ont protesté ce lundi à Rabat contre la dégradation de leur pouvoir d'achat, scandant des slogans contre la poussée inflationniste au Maroc marquée par l'envolée des prix des denrées alimentaires. Certains manifestants ont appelé à la démission du Premier ministre Aziz Akhannouch. Aujourd'hui, nous fêtons la fête de 1er mai à l'UNTM pour dire également au gouvernement, nous sommes là pour défendre la destruction du pouvoir d'achat des citoyens. Nous sommes là pour défendre tous citoyens, tous salariés, tous fonctionnaires. Nous revendiquons aujourd'hui la justice sociale, nous revendiquons la liberté, nous revendiquons une réorganisation de la situation sociale et économique au Maroc, étant donné que nous sommes dans une situation très grave. Parmi les requêtes des syndicats figure la réduction des taxes sur les produits de première nécessité, le plafonnement des prix des carburants et la baisse de l'impôt sur le revenu. En mars, le Maroc a enregistré 8,2% d'inflation, dont une hausse de 16,1% pour les produits alimentaires. Des rassemblements similaires ont également été organisés à Casablanca.